Nouvelle journée sanglante dans la bande de Gaza, où 7 Palestiniens ont perdu la vie ce vendredi. Selon l'armée israélienne, quelques 14 000 Palestiniens s'étaient réunis pour manifester à la frontière entre l'État hébreu et l'enclave palestinienne. Les soldats de Tsahal justifient leur tir en dénonçant, je cite, « une attaque organisée par plusieurs assaillants ». En réaction à cette journée de violence, Israël annonce l'arrêt des livraisons de fioul à la bande de Gaza, des livraisons payées par le Qatar et censées apaiser les tensions alors que les Gazaouis manifestent depuis plus de 6 mois contre le blocus israélien. L'ONU avait œuvré pour cet accord dans une tentative de trêve durable entre Israël et le Hamas au pouvoir à Gaza. Le carburant destiné à la centrale électrique de l'enclave aurait également permis d'améliorer le quotidien des habitants qui ne reçoivent actuellement que 4 heures de courant par jour. Depuis le 30 mars dernier, au moins 205 Palestiniens ont été tués par des tirs israéliens le long de la frontière et un soldat de Tsahal a trouvé la mort.